Incident qui produit au niveau parquet, là, c'est un incident regrettable. Cependant, on parle de qui est il y a trois prévenus qui ont été auditionnés au niveau de parquet. C'était pour une question de pièce. Heureusement, commissaire Christophe qui t'attendait, il a fait qu'on ait que c'était antenne ISO. Il a arrêté au niveau place Saint-Anne. Le commissaire a fait des pots pour eux parce que les îles peuvent faire suivi. C'était un agent de sécurité qui était en altercation avec notre confrère. Donc, il a fait des pots pour lui. Mais par erreur administrative, parce que ça n'a pas sorti dans le paquet, parce que le paquet fait des pots pour eux. Ils ont quitté la surveillance agent et puis, trois ans ont évadé. Marie-Hélène Gilles dit matin, monsieur qui était dans la garde à vue, c'était un monde que la police t'a fouillé la caille, il y joint 4 zames manches longues, que c'est antenne ISO que lié. Mes amis, bon, dis-nous. Commissariat de Port-au-Prince, vini avec monsieur, ils ont dit c'est pour détention illégale d'armes à feu. Et il vient auprès de parquet, il explique, il dit oui, moi j'étais en possession d'un arme à feu, c'était un 9 mm que je t'achète. Moi fais acquisition de 9 mm là. Pendant que je règle le processus pour me légaliser 9 mm là, c'est le moment que la police procède avec un fouille, un procède à l'interpellation. Donc, automatiquement que parquet prend le dossier, il dit bien que je n'ai aucun problème, je vais déférer le dossier devant qui de droit. À notre grand étonnement, Marie-Hélène Gilles, nous ne connaissons pas est-ce que c'est un esprit malveillant ou bien c'est un souci pour continuer à détruire la société parce que Haïti, journaliste, parce que nous avons n'importe quel pouvoir pour détruire le monde. Regardez Jean-Marie-Hélène Gilles qui détruit Jimmy Cherizier. Il transforme Jimmy Cherizier en barbecue. Je dis, c'est ça que la PC fait dans la société. Deuxième bagarre, Marie-Hélène Gilles fait, il dit, mais le commissaire n'a pas eu rôle et on renforce la sécurité commissaire. Eh bien, si on ne renforce la sécurité commissaire, Marie-Hélène Gilles a un plan pour faire assassiner. Je dis, le comportement malveillant de ça, d'ailleurs, tout le monde connaît que Pierre Espérance est prévenu. Il est prévenu par devant le tribunal correctionnel pour diffamation. Je dis, nous avons une société, côté que nous n'avons ni Marie-Hélène Gilles, priorité, ni Pierre Espérance qui dit au niveau élémentaire priorité au détriment de monde à l'école. Je dis, il faut nous suspendre avec Bagessa. Et nous avons ce message ça clair par Marie-Hélène Gilles. Je dis, Marie-Hélène Gilles, ou pas qu'à finir avec caractère monde qui a l'école. Avant même que vous montez dans la presse pour dire quoi que ce soit, moi informé d'abord. Et information là bon pour vous, là bon pour tout le monde, là bon même pour la société. Mais montez à travers la presse pour dire que en complicité avec le parquet de Port-au-Prince, ils permettent trois prévenus évadés. Et d'autant plus, on dit que ils ont pris trois galils, non mais ils n'ont prévenu. Or, commissariat Port-au-Prince là, rapport commissariat Port-au-Prince là, rapport chef de poste là, rapport responsable commissariat là, on vous dit que vous avez fouillé quand ils ont joué quatre galils. Mais Marie-Hélène Gilles, pays aujourd'hui, il n'est pas capable encore. Dans le niveau que nous vivons là, ce que nous gardons, c'est un biba. Si nous faisons pays, nous faisons pays. Si nous ne faisons pays, on nous quitte ça. Merci. Donc, toi, qui t'es sauvé, qui est sauvé, pour qui ça a arrêté? Rapport commissariat pour ça, il dit que nous interpellons monsieur X pour détention illégale d'armes à feu. Et dans la conclusion, le rapport là, il dit que. Oui, effectivement, il y a eu 9 mm en possession de M. X. Nous réservons le droit de la cité non. Donc, il y a déféré le dossier par devant le parquet pour les suites nécessaires. Mais je dis, Marie-Hélène Gilles Baka dit, il y a eu mené le parquet avec 4 Galil. Sans dire, l'autre dit, ça veut dire parquet pour un Galil. Ou dit que parquet en complicité avec Bandi. Et je dis, nous avons un commissaire du gouvernement qui est déterminé pour goûter contre Bandi. Qui déterminé au moins pour faire justice en fonctionner. L'illégalité, monsieur, pour nous respecter les gens qui travaillent. Ça que Marie-Hélène Gilles a fait, elle n'a pas de place dans la société. Commissaire Lafontaine. Non, c'est bien. Maître Lucien Jean-Joseph. C'est avocat, toi, monsieur. Oui. Non. Jean-Joseph. Avocat. Lucien Jean-Joseph. Oui, on a avancé. On a avancé. Est-ce le même dossier? Oui, c'est le même dossier. Nous, c'est avocat, monsieur, qui.
et madame de la cité, nous même que nous réservons le droit pour que nous pas citer nos clients, c'est pour informer en tant que sur Radio Méga que madame Marie-Laïque a cité nos clients comme monde qui ont arrêté, qui a saisi la Cali, trois Galil. Et nous, comme avocats, que nous défenseurs, les vivants félins, que nous étions présents au parquet hier, nous avons assisté à l'audition de notre client, que c'est seulement que nous avons des filibets, clients nous ont fait arrestation qui était en possession. Et ZAM, c'est un ZAM qui est acheté, il n'a pas légalisé. Et la loi fait obligation à quel que soit citoyen, pour que nous en possession de l'âme à feu, faut que nous fassions l'aide adressée avec l'inspection générale et le CPJ pour que nous puissions permis pour d'amour. Et c'est ça qui nous a fait. La protéine, ça a les amis dans les policiers pour qu'ils fassent suivi pour lui. Et entre autres, la police a arrêté. Et nous avons pris en nous que le rapport policier qui saisit le paquet, pas oublier que le paquet n'a pas saisi personnellement dans le cadre de l'océan, c'est le rapport commissariat pour presse qui fait que le paquet saisit, que c'est seulement des filles maintenant dont l'audition est faite sur lui. Et nous, avocats, hier, nous ne pouvons pas demander de libération qui en nous. Nous demandons par client pour bail suite légal par rapport avec la détention illégale que client nous a examiné en main, malgré le fait de légalisation pour faire légaliser. Et nous, avocats, nous sommes encore esclaves de la loi. Nous pas dit client qui est supposé sortir avec elle, mais nous demandons par client pour bail suite légal. Et étonnamment. Non. Au contraire, après ce client, nous l'avons trouvé encore en prison. Commissaire gouvernement qui s'est magistrat Norgues, Belloni, qui t'a fait audition, c'est pendant qu'il quittait cabinet Norgues, puis nous avons sorti de l'avion, et puis dans le cadavre lui-même, il n'y a pas plein de gens qui ont quitté l'avion. Mais nous, avocats, ça ne nous pas intéresser, nous ne sommes pas obligés de quitter le paquet. Et là également, les madames dans la cité, ça a été commissaire comme qui a complicité, qui a fait sauver des gens en prison, on t'a fouillé avec les clients nous, le droit Galil, on s'est seul de Philippe. Un paquet a saisi par rapport au distant. Ce n'est pas PAC qui a saisi personnellement, c'est le rapport policier qui saisit le paquet. Donc, audition en fait sur le rapport policier, et comme c'est le gouvernement, va être sous égal à l'océan, et nous, les avocats, nous sommes accrochés à la loi, nous avons un moment opportun pour la défendre de la client. Donc, le client n'a pas antenne, ils ont vraiment jalousie là? Non, jamais du tout. Vous pensez que ça, vous vérifiez? Est-ce que madame, non, qui s'est mariée dans le Gilles, qui est capable de dire que le client nous aussi antenne? Yon groupe nèg armé j'en tape dit bagay liyan sans rapport police pas préciser ça les dit ta antenne ISO mais est-ce que commissariat de pas est-ce qu'il arrête elle on vient dans paquet là rapport a venu elle saisit paquet par rapport à quoi commissariat et dans rapport que donc yo fait yo analyse ni saisir rapport commissariat dit écoutez bien son détention donc illégale et même que commissariat a qualifié infraction en quelque façon, paquet est capable de qualifier. Elle ne fait rien comme qualification, la même question est illégale et nous, avocats, nous sommes accrochés, nous sommes d'accord pour faire suite légale pour client noir. Mais dis encore que le commissaire gouvernement, avec la qualité, il n'a pas de travail, la qualité, il n'a pas de sécurité. Donc, pas oublier ce commissaire gouvernement. C'est commissaire Lafontaine, commissaire Lafontaine. Commissaire Lafontaine, commissaire au paquet, mais il a droit avec la sécurité. Il n'a pas de sécurité la belle, madame Nandike, donc il y aura. C'est comme que madame qui salue comme commissaire. Même moi, c'est non, c'est un fond de fond de tout le monde comme ça. Et même journaliste, surtout, les gens qui ont attaqué, ils ont fait aux victimes. Là, nous estimons que ce n'est pas bon droit, que les gens qui ont défendu le droit, ils ont fait un travail au moins qui est apprécié, ils n'ont pas déçu le monde, ils n'ont pas fini avec l'image de nous, parce que nous avons une société à construire. Et nous sommes là, nous allons défendre valablement le droit qui est en que nous réservons le droit par cité non, pour nous porter quoi devant les paquets et nous croyons que paquet également qu'il pourra apprécier dossier et la bien juge qui a fait tel conclusion de droit pour trouver liberté client. Pourquoi elle est là côté trois mouns? Bon, trois mouns qui ont dit que sur le gadavi paquet d'abord comme ça faut en là nous croyons que qui ont service gadavi c'est un rapport quand même que vous demandez pour nous faire pour que au moins qui rapport ça capable de comment vous êtes sauvé de pas sauver qu'on y a que comme ça la photo qu'on y a pour pas tel mesure de droit. Même pas d'avocat, yon, pas qu'à explication par rapport à yon. C'est maître aussi. Samarion l'a dit le fait. Nous avons celle de monde dans le pays qui est dans le secteur droit humain. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, osez demander à Marion Gilles
Pourquoi elle a pu laisser la NDDH? Elle vous répondra si elle est probe. Parce que tu as une question de chèque, tu as une question de l'argent, nous ne pouvons pas arrêter ensemble nous diviser. Monsieur, incident qui produit au niveau parquet là, c'est un incident regrettable. Cependant, on parle de qui? Il y a trois prévenus qui ont été auditionnés au niveau de parquet. C'était pour une question de pièce.